Effectivement, c'est une vidéo entre un soldat israélien et des enfants palestiniens qui est devenue virale sur TikTok après avoir été publiée mardi. La vidéo a accumulé plus de 270 000 vues en moins de 36 heures et elle a été aimée plus de 50 000 fois. Elle porte même un nom. Le conflit israélo-palestinien en 2022. Alors, le réserviste de Tsahal, Yael Haddock, que vous voyez ici, qui est un jeune homme de 21 ans, était en poste pour renforcer la zone de Jenin quand il voit ses deux enfants palestiniens en train de danser dans un champ à l'extérieur de la ville. Alors, en réponse à cette danse, il décide de danser également, il s'installe là une chorégraphie entre les deux, comme s'il se comprenait, chorégraphie inspirée du jeu vidéo Fortnite d'ailleurs. C'est un peu comme s'il parlait la même langue. Alors le soldat israélien, lui, il a posté cette vidéo en ajoutant la musique « I'm just a kid, je ne suis qu'un enfant » de Simple Plan, et il l'a posté en réponse à l'opération Aurore, en insistant sur le fait que, je cite, « il est important de montrer que nous sommes des êtres humains et que nous ne nous détestons pas ». Évidemment, ça a entraîné beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, pour la plupart plutôt pacifistes et humanistes, comme Make TikTok Not War ou encore On n'est pas si différents, toi et moi. Il y a aussi Comment pouvez-vous penser que nous tuons des enfants ? Le soldat a été interviewé par la chaîne israélienne N12 et il a confié qu'il trouvait les commentaires et les réactions sur les réseaux sociaux réconfortants. Il reste persuadé que les peuples des deux côtés ne veulent pas la guerre.